Bonjour. Vous êtes des fanatiques de l'équipe des Braves? Oui. Donc, vous venez de Valleyfield, ce coin-là? Oui. OK. Puis, qu'est-ce que vous pensez que ça va être quoi, le score aujourd'hui? 8-0, les Braves. 8-0. Vous venez de quelle ville? Mirabel. Mirabel. OK. Oui. Fait que vous êtes descendu de Mirabel pour venir voir... Oui. Pour venir voir l'équipe. Parce qu'on est des gamblers de hockey. Fait que vous prenez pour les Mustangs, parce qu'on est à l'aréna des Mustangs. Ben oui. Écoute. Vous prenez pour quelle équipe? D'Orion. Pour les Mustangs, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de la saison cette année des Mustangs? Pas trop bonne. Vous auriez préféré qu'ils soient plus haut dans le score et qu'ils fassent les séries? Oui. Je suis avec l'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dimanche, l'avant-dernier match de la fin de la saison de les Mustangs. On affronte les Braves, une équipe qui s'est classée au troisième rang. On s'attend à quelle sorte de match? Valleyfield est un club très, très offensif. Je sais pas eux comment ils vont sortir des fois quand t'affrontes une équipe qui est éliminée. Je sais pas ça va être quoi leur niveau d'énergie, mais c'est sûr que si on se présente pas pour jouer, ça va arriver. On sait que c'est plus difficile cette année, mais comme vendredi, on n'est pas arrivé pour jouer au hockey. On s'est fait planter aussi. Fait que, tu sais, quand t'embarques à l'AS, c'est un privilège de jouer dans cette ligue-là pour moi. Faut que tu sois prêt à jouer. Donc si on sort une bonne game, ça devrait être un bon match. On vous souhaite un très bon match. Merci. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour lever les chapeaux de basket pour l'interprétation de l'hymne national.
Thank you.
Nicolas Jones, bonjour. Allô, allô. Une première période, un petit point de décalage encore avec l'autre équipe, mais quand même, on va prendre le dessus. Oui, oui, effectivement, on a plusieurs chances. Comme on voit, là, ça va super bien. Il faut juste être un petit peu plus fort sur le puck, puis juste être pas beaucoup de stress. Je pense que ça va aller bien. Donc, c'est une très bonne deuxième période. Merci beaucoup.
Je suis avec Milao Christas Leonidas. Bonjour. Salut. C'est la deuxième période. Bon, il y a 2 points d'écart. C'est quand même possible de surmonter la différence. Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, on a un peu de misère? Bien, je pense qu'on finit notre check. On joue bien dans la zone défensive et on prend des shots honnêtes et on joue quand même bien. Alors, on doit continuer ça dans la troisième période et c'est sûr qu'on gagne cette game-là. Tu travailles quand même fort. On le voit beaucoup sur la glace. Ouais, je travaille fort. J'essaie de faire n'importe genre tout ce que je peux pour essayer de pour gagner cette game-là. On n'est pas dans le play-off. C'est une game importante pour nous quand même de chercher le dub. Alors, c'est ça. Mais bonne suite pour la dernière période. Merci beaucoup. Thank you.
la chance de faire la dernière entrevue de la saison. Pour nous, c'est sur la télé, avec les joueurs. C'était quoi le feeling avec l'équipe de faire des entrevues comme ça à chaque période, à chaque partie? Yeah, it was good. Always felt better on a win. You know, sometimes we were down a couple goals and it didn't feel that good. We just kind of wanted to get undressed and go home. But, you know, it feels good. And I know some of the kids like watching it and stuff like that. So it's good for the fans. Merci beaucoup, puis bonne fin de saison. Thank you. Avec l'entraîneur-chef Guillaume Bisaillon, un dernier match local. Bon, une défaite un peu triste pour les fans, mais quand même, on regarde vers le futur. Vous revenez la saison prochaine. L'équipe va prendre de la maturité. Oui, c'est sûr. Cette année, les résultats sont plates, hein, collectivement, mais positivement, si on regarde ça dans l'ensemble, on a réussi à faire jouer nos jeunes de 17-18 ans. Je regarde les défenseurs comme Graham, Coron, c'est des gars de 17 ans qui ont rentré dans la Ligue. Ils ont joué dans des situations de désavantage numérique, 5 contre 5, contre les meilleurs joueurs de l'autre côté. Snow, notre capitaine, 18 ans, Perrault, Monette, Greer, beaucoup de joueurs, j'en passe, hein, mais beaucoup de joueurs qui ont joué beaucoup de situations que l'an prochain, ils vont être moins surpris de les vivre, ça va être du déjà-vu pour eux. Donc, on repartira pas à zéro pour l'an prochain, en espérant que tout le monde revienne. Il peut arriver bien des affaires dans la Ligue, mais si ces joueurs-là reviennent, je m'attends à une belle année l'an prochain. Votre expérience avec la télévision communautaire, qui vous fait des entrevues en début de match, à la fin du match? C'est comme un coach, je suis comme les joueurs, hein. Je suis en processus de développement dans le but de peut-être faire une carrière un jour. Donc, de s'habituer avec le micro, la caméra, tout ça, c'est sûr, c'est bon même pour les joueurs. Ils le diront jamais, mais c'est le fun, ça fait un bel encadrement pour les joueurs. Puis quand on parle aux joueurs pour les amener à Vaudreuil, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on leur parle avec le service qu'on offre. Fait que c'est sûr, c'est bon. On vous souhaite un très bel été, puis on se revoit en septembre. Merci beaucoup.